Ça, c'est très embêtant, par contre. Ouais, y a rien du tout à part la confusion, quoi. Et encore, ça m'oblige à mettre ça. Vas-y, je vais mettre ça. Comme ça, elle pourra soigner les autres éventuellement. Où est-ce que je vais? Je remonte, yes. Ouais, d'accord, ça commence bien cette histoire. Ça va être impossible en fait sans ruban. J'ai même pas envie de le retransformer. Oh là, il a l'air d'avoir 50 000 chemins en plus. Ça soigne pas. Ça, c'était sûr. Est-ce qu'il est mieux que celui que chez les Zéon? Tant de temps. Bah non. Ceux-là, je peux les taper. Non, il tape avant Lydia, c'est quoi cette arnaque? Mais non! Ouais, aucun effet, ouais. Tiens! Tiens, sale bête. Il est trop bizarre cet ennemi. Mince, j'étais encore sur le vol. On va essayer une nouvelle invocation. Hein. Léviathan, on l'a déjà vu, mais... Asura, ce serait pas mal. Ah ouais, 50 quand même. Lance soin 3, bouclier ou vie sur tous les alliés. Ah mais c'est où? Genre tu choisis pas quoi. Bon bah ce sera Léviathan. Hein. J'aurais peut-être dû finalement balancer un petit soin. Ah pas mal. Rosa apprend vidéo, impeccable. Ça valait bien les 50 PM. Il faut l'admettre.
Petit détail. Ah, il me reste des coffres là-haut. Il faut que je trouve évidemment l'escalier qui va bien. Il doit être ici. Ouais, c'est celui qui est en premier, je pense. Il y a des coffres de partout. Ah, j'ai oublié. C'est un peu relou de devoir le faire à chaque écran. Le donjon doit pas être très grand par contre, parce que il y a 30 coffres, mais à chaque fois t'en trouves 5-6 d'un coup. Et concrètement, il n'y a que les xylomides, enfin les espèces de plantes, j'ai oublié le nom, si c'était ça ou une autre, qui posent un réel problème. Les crapauds, ça va encore, c'est juste très long, quoi. C'est Cécile qui va sonner, tiens. J'allais dire, il y a un passage après. On va faire tout le tour pour ça. Bonsoir Maruta, comment ça va? Ah non, pas lui. Oh, attends, on va faire un feu 3. Oh zut! Ah, mais c'est super pour ici ça! Ouais, j'ai trouvé mon sort pour venir à bout de ces crapauds facilement. Bon, encore faut-il qu'ils puissent le placer, hein. Ça, c'est une autre histoire. Oh, il y a une salle là-bas, violente, hein. Mais je vois pas comment j'y vais. Comme ça. Ah oui, c'est la suite ici. Je vais bien, j'ai laissé FF4 pour faire un peu la suite After Years. Et je fais aussi un autre. J'arrive pas à me décider entre les deux. Bah moi je te dirais fais FF4 et après After Years.
Bah alors, cette prière ne passe jamais. Allez, encore un élixir. Je crois que j'en ai pas encore utilisé. Ce sera bien pour la fin, ça. Ouais, mais la différence, FF4, je l'ai déjà fait. Il était en New Game Plus. Pour After Years, tout juste débuté. D'accord. Je comprends. Garde-les pour après la fin, quand t'éteindras la console, c'est mieux. Bah oui, je fais collection des élixirs. Comme des lignes internet d'ailleurs. T'as trouvé la maison? Et la maison de qui? Chantez mes olives, c'est ça. Il manque AOL et Wanadu. AOL, je les ai eus à l'époque. Attends, c'était eux. C'est le truc où t'avais le droit à 30 minutes après ça coupé. C'était totalement illégal. Allez, voilà les fées. Griffes de chat. Ah, mais les griffes, c'est pour l'autre bandit, ça. Attends, pas des objets clés quand même. Non. Elles sont là. J'en avais déjà. C'est nul. Ah, des humains. Vous n'avez rien à faire. Ah, mais il est là, le con. Vous n'avez rien à faire ici. Partez immédiatement. Ouais, mais en fait, tous les persos dead, ils sont pas dead. Yang restera ici pour toujours. Nous l'avons trouvé à l'entrée de la grotte. Nous l'avons soigné de notre mieux, mais il n'a toujours pas repris connaissance. Ah, je sais ce qu'il faut faire. Je voulais pas te spoiler, mais oui. Ah non, je sais pas ce qu'il faut faire, mais j'ai ma petite idée. Voulez-vous sortir? Oui, mais par contre, j'ai plein de coffres à ramasser. Purée, par contre, je sais pas où aller. Enfer et damnation. Ah, il m'en reste 18 à ramasser. Mais c'est mieux de repartir par le haut, je pense. Donc finalement, le jeu a pas les nouilles de tuer ces personnages. Bah, il y en a quand même qui sont morts, je crois. Hein. Je sais plus, il y en a eu tellement qu'on a perdu. On se croirait chez McDo, il y a du turnover de malade, mec. Je pense qu'il faut aller voir sa femme. Me tromperais-je? Mais je sais pas comment remonter à la surface. Alors, où est le cristal? Ah, tiens, tiens. Votre Majesté. Vous n'avez pas réussi à le récupérer? Il s'est donc emparé de tous les cristaux. Nous sommes perdus. À moins, bien sûr, que la légende de la baleine lunaire dise vrai. La baleine lunaire? La légende raconte qu'il existe un aéronef gigantesque. Celui qui est né d'un dragon. La légende de Mycidia. Vous avez entendu parler de Mycidia? Mycidia est la cité des mages sur la surface. Mycidia existe vraiment? L'ancien de Mycidia prie sans cesse dans sa tour. Je l'ai rencontré. Il prie? Il prie sans doute pour la baleine lunaire. Rendez-vous immédiatement à Mycidia.
mais le passage est bloqué. On ne peut pas non plus passer par la tour de Babil. Vous pouvez toujours essayer de creuser. Sid. Je vais attacher une foreuse à l'aéronef. N'êtes-vous pas censé vous reposer? Qui, moi? C'est vraiment possible? Facile comme bonjour. Bon, au travail. La voilà ma solution. Ils me font marrer les persos. Bah c'est fini les sauts là. On y va les gars. Sid. Sid, tu en fais toujours trop. Je crois qu'il est temps de tirer ma révérence et de laisser la place aux genoux. De toute façon, dans cet état, je ne peux pas faire grand-chose à part rafistoler des aéronefs. Tu voulais m'épater, c'est ça, vieux père. Reposez-vous bien. Prenez soin de Cécile et Rosa. T'inquiète. Soyez prudents. Nous le serons. Bien, allons, du vent. Merci pour tout, Sid. Vieux père, est-ce que c'était pas plutôt grand-père? Une mauvaise petite trad, là. Bon, bah, je présume qu'en fait, c'était au nord-est, là, où j'ai vu l'espèce de trou. Ça me paraît tout à fait logique. Une foreuse là. Hein. Alors Yang par contre, on voit d'ailleurs la foreuse. Yang, je sais plus d'où il était. Fabule ou Dame Sian. Alors est-ce que c'est vraiment la femme de Yang que j'ai vue? Comment? Mon mari est dans le monde souterrain? Pourquoi ne revient-il pas me voir? Non, je ne pleure pas, j'ai une poussière dans l'œil. Acceptez ceci, vous pourrez le frapper de ma part. Quoi? Il est dans le coma ton mari, qu'est-ce que tu veux que je frappe? Elle est flinguée elle. Bon bah apparemment c'était bien elle qu'il fallait venir voir. Me dis pas qu'il va rejoindre notre équipe de nouveau. Ce serait totalement abusé. La question c'est, est-ce que je vais à Missidia avant ou pas? C'est toujours une bonne chose pour soigner les comateux de les frapper à la tête. Ah, t'es comme moi toi, t'es autodiag médecin. Quasiment tout trouvé. Hein. Ah si, j'ai un autre truc à faire. La fameuse queue de rat. Je sais que c'est par là. Pas ça, c'est ça. Où est-ce qu'il est mon super buggy de la mort qui tue la vie? Hein?
Mais non, ça c'est l'autre vaisseau. Je peux pas le ramasser ici. Mais attends, comment je vais faire? Ou alors je peux pas avec celui-là? Je suis obligé de prendre l'autre. Mais non, l'arnaque. Forcément, puisque c'est lui qui a le grappin. Ah non, je joue pas FF14 moi. Un petit 4. Comment t'as fait pour le poser là-bas? Ah, je l'ai pas posé, c'est là-bas que je devais aller avec. Du bon, je n'ai rien à vous dire. Cependant, si vous m'apportez une queue de monstre, je ferai une exception. Ah, c'est la queue de rat que je cherchais. Je vous l'échange contre ce bout de métal. Nice. Et ça, faut que je l'amène dans le monde souterrain, je crois. Au forgeron. Non, il y en a plusieurs. Peut-être. Non, c'est pas chat, c'est rat. Bon, ça, je vais le laisser là. Caissière. Qu'est-ce que t'as? Mais qu'est-ce que t'as? T'as fait un cauchemar? Non, des fois je pense qu'elle fait des rêves ou je ne sais trop quoi, ou elle pense que je suis parti. Parce qu'elle arrive comme une balle. Je descends maintenant. Elle me fait la même chose en fait quand je pars en vacances et que je reviens. Pendant une semaine en fait, à chaque fois qu'elle va se reposer, au réveil elle se met à miauler comme une dingosse. Elle croit que je l'abandonne à nouveau. Alors le maître, il est à l'étage. Je ne forgerai plus jamais une arme. Moi, bien sûr que vous ne m'apportiez de la damantine. De la damantine! Donnez-moi cette vieille épée. Je vais lui redonner son éclat d'antan. Vous lui remettez l'épée légendaire. Reviens, il s'est barré avec mon épée, lui. Sale voleur. Laissez-moi me concentrer, ne me bousculez pas. Ah, faut que j'attende. Le maître des retours est de retour. Le réveil du chat, à quelle heure? Bah, je sais pas, ça dort tout le temps, un chat. Bon, je sais déjà ce qu'il va en faire de l'épée, hein. Je vais utiliser une tente, peut-être. L'épée légendaire, ça va devenir Excalibur à tous les coups. Puisque dans les FF, c'est Excalibur aussi. Bon, il veut pas. On reviendra plus tard, en espérant que j'oublie pas. Je vais retourner du coup chez les Sealfield. Déjà, 3 ici.
N'empêche qu'il nous manque toujours un personnage, là. La tranche des ennemis. Ça va. Kane ? Kane, il s'est barré. C'est un traître. Un sale traître, même. Sceptre féerique. Attends, kick quoi? Il y a un autre chemin qui monte, ok. J'ai pas dû le prendre celui-là. Ah non, pas celui-là. J'ai quand même très envie de tenter, mais... Ce serait une mauvaise chose. Tu vas bientôt me rattraper là où je me suis arrêté. Voilà. Alors, il y a les coffres que j'ai laissés, effectivement, ce sont, je pense, peut-être pas les derniers, mais en tout cas ceux que j'ai vus. Là. On est resté bloqué sous la planche à UV là. Après Fury ça pète bien. Hein. On fait plus de dégâts. C'est juste qu'on choisit pas nos actions quoi. Hein. Je l'avais déjà fait, autant pour moi. Il va pas m'en manquer beaucoup, je pense. 6. Hein. J'étais pas venu ici, du coup. Hein. Ah, j'ai encore oublié. Quel enfer. Devoir toujours refresh ce machin, c'est casse-pied.
Pourquoi on peut aller là hein? C'est bizarre, hein. Là, j'aimerais bien éclater au moins un groupe, quoi. J'avais pas vu ces fake en direct, le pauvre. Ben voilà. Bon, malheureusement, il y avait un mort. Et c'est la vie que voulez-vous? Et voilà les derniers. Je crois que j'avais dit 6. Hein. Ah. Sweeton. Entendre ça. Xilomide, Morbol, c'est la même. Hein. C'est de la même famille, tout ça. Tente la run only grenouille, hein, pourquoi faire? Quel est l'intérêt à faire ça? Tente de faire ta tournée dans la tourou sans ton scooter. T'aimes les défis. Bonne soirée Maruta, merci. J'ai pas trop regardé pour ne pas me spoil, mais tu as pensé quoi de Sea of Stars? Et je pense qu'en comme une grande majorité de jeux, de personnes, pardon. Vraiment, je trouve le jeu très bon. La DA est magnifique, le gameplay est très intéressant. L'OST est somptueux. Mais la fin m'a un peu déçu. Mais attends, est-ce que je vais pouvoir me barrer là? Je suis pas sûr. Je suis en train de me gourer. Ouais, on peut pas s'échapper ici. Oh purée. Je suis dans la sauce. Évidemment. Putain. Allez, allez, tracez-vous, c'est à moi de jouer là. Putain, il me l'a mis en furie. Chier. Il peut y avoir une tempête, je suis toujours en scooter. Oui, mais c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit fais ta tournée sans ton scooter. Le guérison vire pas le fury. C'est un réel problème ça. Allez, allez, tracez-vous là. En plus, évidemment, ça tape pas les bons. C'est en tout cas pas ceux qui m'intéressent. J'essaie éventuellement pour virer le ferry. Fury. Où ça? Parfait. Oh, mais c'est pas possible. Ah, c'est bon. Je crois que c'était encore pour elle. Ça va passer cette fois, j'y crois. Ouais, coffre piégé, tu peux pas te barrer. Hein. Pleine lune. C'est quoi ça? Ah, une arme de lancer. Qui utilisait les boomerangs? Un ninja, il peut, non? Ouais.
Bon, l'intérêt par contre. Le premier objet c'était quoi déjà? Inflige des dégâts de feu. Très bien. Ah, il est un peu mort, c'est vrai que ça marchera pas trop. Hein. Bon, j'ai pas envie d'utiliser des éthers. Hop, on va faire ça. Ah, ils sont tous piégés en fait. Quelle horreur. Bon, quand c'est ça, ça va. A chaque fois que je finis un jeu, je regarde ma liste à faire et elle s'allonge. Je tiens pas la cadence. C'est peut-être pas plus mal dans un sens. Oui. Je suis obligé de faire des choix en fait. Hein. Moi je vais pas te mentir, hein. Y a plein de jeux, je les achète finalement, ça sera pour la collection. Je les ferai jamais. Du coup, je sélectionne les jeux que je fais. Par envie. Mais depuis quelques temps, ouais, je suis vraiment plus dans le rétro. Je crois que Tokyo Xanadu, bien que j'ai beaucoup aimé le jeu, il m'a un petit peu refroidi avec tous ces dialogues. Lesquels je ferai jamais? Difficile à dire. Salut Mérode. C'est un petit peu difficile à dire, mais genre j'aimerais beaucoup faire comment il s'appelle. J'en avais fait une découverte, c'était sur PS5, j'en ai fait une découverte sur la chaîne. D'ailleurs, à cause de moi, Yann et Mona l'ont acheté. Monarque. J'aimerais bien faire Monarque et je pense que je le ferai pas, en tout cas pas tout de suite, parce que j'ai pas le temps et c'est un jeu relativement long. Oh là là, l'enfer. Magie blanche et magie noire. Allez, allez, relève-la. J'ai sauvegardé juste avant. J'ai comme un petit doute. Si j'arrive à placer le Léviathan, j'ai une chance. T'as fini de Trinity Trigger à fond? Alors? C'est bon. Heureusement que je suis allé chercher Léviathan avant. Hein. Vengeresse, ça me plaît bien ça. Une épée à deux mains maudite qui inflige l'altération d'état furieux. C'est pas forcément une bonne chose. Hein. Même pas du tout. Ah, j'ai pas assez pour le guérison. Hein. Ok. What? C'est sympa, ça réinvente pas la roue, mais je me suis laissé embarquer. Et Sea of Stars, tu l'as fait ou tu comptes le faire? Ah ouais, ils sont bidons ceux-là. Flèche de Gorgon. Et le dernier. Ça va. Je vais m'en sortir sur cela. Logiquement. Pas fait, pas acheté, je le prendrai en boîte plus tard. D'accord, je comprends. Tu vas adorer, mec. Sauf peut-être la fin. T'as commandé Cristar? J'ai failli me tromper. J'ai acheté Crystal il y a pas longtemps. Mais Cristar, ouais, il a l'air intéressant. Il a l'air carrément intéressant.
Allez, allez, allez. Ouais, la DA est magnifique, je suis tout à fait d'accord. Je crois qu'il est... Si, il est traduit en français celui-là, il me semble. En fait, je suis tombé sur une petite promo Just for Games, donc il y a des jeux que j'ai repris, même certains que j'ai déjà fait ou que j'ai sur Steam, parce que bah, je trouvais les boîtes un... enfin, sympa quoi. J'en ai pris plusieurs. Ah merde, c'était pour sortir. C'est pas plus mal, ça me permettra de retrouver mon chemin plus facilement. Et on va faire autre chose juste avant, parce que je suis dans le mal. Sinon, j'arriverai pas à descendre. Le pavillon, il remet full en PM. Elle est là la différence avec la tente qui régène la moitié uniquement. Ne pas acheter des tentes, acheter directement des pavillons. Voilà. Allez, let's go. Il y en a pas pour longtemps à descendre. Logiquement. Je pense me souvenir plus ou moins du chemin, j'espère. Évidemment. Bon, ça va, il y en avait qu'un, je pouvais m'en débarrasser. Wow. Pourquoi je m'embête en fait? Tiens. Un truc. Je suis sûr qu'il y a des fêlés qui l'ont fait ce donjon sans lévitation déjà et sans un tas de choses en fait. Il y en avait un autre Mérode que... je sais pas si je te l'avais conseillé celui-là. Je me souviens plus du nom. J'en ai fait une découverte aussi, mais je peux te le donner. Attends, je vais te retrouver ça. Je crois qu'il y a Mobius dans le nom. Ah, j'ai un doute là. Est-ce que c'est ici? Non. Oh purée, j'ai changé d'écran, du coup je me remange le poison. Ça m'a fait mal. Je vois de quoi tu parles, mais j'ai plus le nom. Il est pas en français celui-là, mais je sais que toi, ça te pose pas réellement de gros soucis. Et vraiment, je le trouve très intéressant.
Non, je parle anglais et un peu japonais, donc c'est pas grave s'il n'y a pas l'FR. Monochrome Mobius. J'ai vu qu'il était sorti d'ailleurs là. Il y en a un autre qui m'intéresse et je pensais pas qu'il m'intéresserait. C'est un action romance game. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais presque. Eternite. Un action dating sim. Parce que j'avais fait la démo, j'ai trouvé ça sympa. Et je pensais pas que j'aurais pu trouver ça sympa. Eternites, je l'écris comment? E-T-E-R-N-I-G-H-T-S, pardon. Monochrome Mobius, ça a l'air sympa. En effet, tu le fais quand? Bah, ça m'embête de faire un jeu en anglais un peu. Voilà de retour. Alors, un coup de poil. Une poêle remplie d'amour. Hé, hey, arrêtez! Dois-je déjà aller m'entraîner? J'ai encore sommeil. Cécile? Yang? Je suis si heureuse. Oh, les Sealfield m'ont sauvé la vie. Comme tu nous as sauvés en détruisant les canons. Laissez-moi combattre à vos côtés. Tu dois te reposer. Je ne peux tout simplement pas faire une sieste alors que le monde est en danger. On n'a pas besoin d'un invalide sur le champ de bataille. Qui es-tu? Je m'appelle Edge, je viens d'Eblana. Je vais prendre la relève pendant ta convalescence. Eblana, alors tu es ninja. Je dois pourtant... Non, nous irons combattre à ta place. Cette fille est avocatrice, n'est-ce pas? Elle pourra faire appel à nous. Je vous remercie. Cool. Ta prochaine target, c'est Enor Lilies en boîte. Ah, ils sortent une version boîte? Je vous suis reconnaissant. Faut que je le reprenne. Yann a eu la gentillesse de me l'offrir. Enders Lilies, d'ailleurs. Voilà, on parle pas du même. Non, la version boîte Jap à la langue française. D'accord. Du coup, j'ai fait tout ce que j'avais à faire ici. Elle s'appelle comment les 4 matériaux récupérés sur le CD2? Les méga matériaux, Nanato. Si, un objet que j'ai pas trouvé. Qu'est-ce qu'il est? Ça m'a fait la même chose chez les Eons, et là, je vais pas le trouver. Ou alors c'est vraiment dans l'autre pièce. En tout cas, c'est pas là. Ça n'a pas l'air. Ça doit être là. Mais c'est fou ça, ils sont où ces objets là? Ou alors c'est des objets qu'on trouve plus tard. Ou peut-être que j'allais revoir sa femme à nouveau, hein. Ouais, c'est bien Under Lilies. Ok. Donc, oui, on parlait du même, effectivement. Ouais, ça n'est rien à comprendre, ça. Hein. Moi, offrir des jeux, ça m'arrive de temps en temps. Ouais, c'est ça, ouais. De temps en temps, tout le temps, ouais.
Bon bah, cet objet, je ne sais pas où il est. Oh, mais j'ai fait une boulette, là. Non ? Ah ben non, maintenant, il y a un trou, c'est bon, on s'en fout. Parce que c'était le... l'aéronef sans... comment dire ? Sans la foreuse. Alors, j'avais dit que c'était où, déjà ? C'était fabuleux. Ok. Juste au-dessus du désert. Et j'ai mon Excalibur aussi à aller voir. C'était bien par là, je crois. Yes. Je vous remercie du fond du cœur. Veuillez accepter ceci. Dites-lui de ne pas s'inquiéter pour moi. Il doit se remettre plus vite pour pouvoir vous aider à combattre. Ah, est-ce qu'il va nous rejoindre du coup? Pardon? 255? Je peux le mettre à Cécile ou pas? C'est bizarre avec un couteau, mais... Je vais voir qu'il peut pas le mettre. C'est vrai que j'ai oublié d'en mettre ça. Mais quel intérêt de mettre ça? Pourquoi tu mets Mutisma? Ça, c'est tellement mieux. Après, il y a peut-être des affinités à la dague, j'en sais rien, mais... Comme même. Je peux faire un dodo ici? Je sais pas. Que je fasse un dodo quelque part avant de retourner voir le forgeron. J'irai dormir chez vous. Ah non, pas ça. Allons-y. C'est là. Je perds la tête. J'espère que mon épée est prête, hein. Ah, d'accord. Je pense qu'il faut attendre encore. C'est peut-être un temps de jeu, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour ce soir. Si on veut se revoir, il faut d'abord se quitter. Il fait extrêmement chaud. Et j'avais dit que ce serait un petit live. On continue peut-être demain, si c'est dans les mêmes conditions, je peux faire encore un petit live, histoire qu'on avance et qu'on attaque Dragon Quest 6, a priori. Bref, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit, et puis on se dit à demain pour ceux qui seront là, à bientôt pour les autres. Allez, ciao, bye bye.